Bonsoir, vous êtes à Exebus. Et on est en train de s'approcher de la dévastation de l'humanité. Donc on va essayer de continuer dans cette direction-là. L'élu se bat toujours pour récupérer le dirigeant de cette capitale et de me le nettoyer. Donc là, j'y suis retourné avec le signe pour les refoutre dans la merde, tout simplement. Et on va faire un puits. Et pendant ce temps, Zikino... Ah, elle a mis un culte, elle met des cultes en plus. Mais c'est trop bien ça, ça si on le fait en early game, c'est hyper puissant. Ok, il y en a un qui devient taré, Mad King, Pondura, Raté, Shatter. C'est bon ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? On n'a pas trop le droit d'aller dans les vraies villes. Death à 109, c'est pas mal. On va aller là. Et on va faire... Est-ce qu'on a moyen... Ah non, il n'y a pas de Saoul. Saoul, sister, hey, sister. On va faire un assassinat et après on va essayer de récupérer la... Je pense que Zikino, tu vas pas rester longtemps. Tu t'auras mis quelques banshees. Mais j'ai du mal à utiliser de façon correcte tout ça. On va te mettre en infamous, hein. Parce que la panique, elle commence à monter, là. Les héros vont tenter de nous défaire. Ok, donc dans 50 tours. Donc 375. Au tour 375, on va sortir et on va commencer à raser le monde. Ça me plaît bien ça. Ah, Zikino qui a du soutien au final un peu. Un peu de soutien monétaire, ça c'est cool. On est sur du 80% là, ça c'est pas mal. Putain, j'ai complètement pourri ici. Donc là, normalement, ils ont un culte qui est lancé. Je pense qu'on va prendre... Ouais, non. Damned, on va faire un petit Laylo. Encore. Là, c'est en train de monter bien. 80%, ouais, on est bien. Parfait. Donc là, on peut infiltrer le palais. Il y a les shadows qui montent de plus en plus. C'est parfait. Chobiti qui commence à monter un peu en profil et en menace. Hey, sister. 25 tours. C'est tellement long. Et ce qu'on va faire, c'est que... Minou... Je pense qu'à Minou, on va essayer de monter le Dark Empire. Ah, ça, un Deserail. Ok. Ils se déclarent la guerre entre eux. Et ils font une petite crusade. 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 Je suis loin d'être expert dans les relations internationales. Normalement, on est capable de pourrir les relations entre les gens et qu'ils fassent la guerre et qu'ils se détruisent entre eux, plutôt que nous ayons à le faire. C'est plutôt une bonne chose en soi, j'ai envie de dire. Ok, donc on recule encore un petit peu parce qu'ils ont récupéré quelque chose. Ah là! Ça, c'est bien. C'est le noir qui subit du chantage. Parfait. Donc on a tout infiltré ici. On a un profil MLAS. On va aller ici. 80%. C'est parfait. Population 11. Ah, c'est ça qu'on veut. Toi, tu fais du Laylo. On va booster le commandement d'Aminou. Je pense que c'est ça qu'on va devoir utiliser à terme. Ok, donc l'armée commence à essayer de contrer la Banshee qu'on a mis. C'est bien. Et là, on va faire Dark Empire.
10 tours, convertit une nation humaine dans l'Empire Sombre, en Empire Sombre, en Dark Empire. Tous les ducs avec moins de 80% vont immédiatement se rebeller. Ouais, toi, tu vas pas te rebeller. Lui, il va se rebeller. Non. Non. On va avoir un rebelle. On va voir comment on doit gérer ça. Enshadow à 61, 60, ça suit, ça suit. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire une petite action, un coup d'éclat, je sais pas, moi. Faut pas qu'on fasse du Enshadow ici. Tu vas aller là, Aminou. Et là, tu vas nous lancer un petit City Palace. Ça va te prendre combien de temps encore? 21 tours. Donc, on a 20 tours tranquilles à peu près. On va faire Malign Catch pour faire augmenter. Army Block. Là, elle va bientôt tomber. Hein. La cité a été purgé. Zikino, il a trop de thunes. Elle recommence à se faire entraîner. On a de la menace qui remonte. On va refaire profil bas avec le signe. Zikino. On va les éviter. Basic Axe. Bah écoute, on va augmenter notre force. Tamba. Voilà, on va payer la témoin pour qu'elle arrête de nous surprendre. On continue de descendre ça. En gros, c'est ce qui se passe ici qui est le plus intéressant. Ok, lui nous déteste profondément. L'ombre est en train de monter doucement en puissance tout autour du monde. Les terres tombent dans les ténèbres. Le soleil continue de se lever, mais donne à peine de la lumière. Ok, on a la moitié du monde qui est dans les ténèbres. Là, normalement, on est censé avoir un secret de la mort. 3 tours. Ok, parfait. Aminou, t'as 6 points de vie. On va réduire sa menace de 5, c'est parfait. Imposer la quarantaine, non, c'est naze. Et apaiser les nobles. On va essayer de faire ça. On va faire un gridlock avec le signe. Histoire d'immobiliser un peu la politique ici. Abyssal City, 10 points de sanctum, 10 points de sanctum. Ici, sont où là le culte? 16%. On pourrait le bosser un petit peu gentiment. Parfait. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous attaquer, c'est obligé. Attaque Ghast, attaque... Non, il nous attaque même pas. Il nous en veut, mais il nous attaque pas.
On a que deux arcanes. À... Non, on va l'apprendre. On va apprendre l'arcane et on va pouvoir prendre un niveau en maître de la mort. Ouais, la prochaine fois, au lieu de bosser sur les cadavres pour apprendre des secrets, il faudrait peut-être qu'on aille avec quelqu'un de relativement neutre dans des endroits où il n'y a pas de où il y a des secrets qui sont disponibles et qu'on soit pas obligé de les créer. Genre même, on peut en créer avec le comment s'appelle, avec le Plague Doctor avant qu'il claque, hein. On crée quelques expérimentations, lui passe derrière, il récupère. Ça fait pas monter le profil ni la menace, ça lui permet de prendre des niveaux et après ça devient une machine à tuer. Je pense que dans ce sens-là, ce sera plus intéressant la prochaine fois. Ça va être compliqué ça à gérer, par contre. Si tu veux m'attaquer, il est où? Duno. Alors, on a fait le gridlock. On va faire le gridlock et on va aller ici. Deux de sécurité. On a un peu d'argent sur nous ou pas? On a pas assez d'argent sur nous. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça là. Il y a un couvent, on va essayer de le désacraliser. C'est peut-être un peu tard, mais. Tipping point. The Unrest City of Ten has reached a tipping point. Ok, donc il y a tellement d'émeutes qu'il y a des problèmes. The share of mass of humans has overpassed a few guards. Ok, donc ils ont réussi à dépasser les gardes. Ah, l'indépendance, ça prête pas mal. Allez, tiens. On paye grassement les gens qui nous remarquent. C'est pas grave. Ah merde, elle était plutôt cool. Elle était plutôt cool. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Est-ce qu'on a moyen de désacraliser? Il faut qu'on soit. Plus de 70% de Shadow. On est à 17. On est à 17. On va diminuer notre profil. Ça va faire monter les Shadows ici. Ça va être très bien. Chobiti qui paye. Encore un témoin. Oh, putain. Eh, franchement, faire le mal, ça coûte cher. Hein. Faites ce que vous voulez, les gars, vous n'arriverez pas à m'arrêter. Ils sont vénères. Hein. Les paladins sont vénères. Hein. On peut recruter un agent. Est-ce qu'on n'abuserait pas un petit coup? L'immunité, elle est en train de descendre. On repourrit un coup, quoi. Ce qu'on va faire, non, on va réinvoquer un Warlock. Un Warlock en mort. Attends. Est-ce qu'il y a moyen de faire un filtre pour les héros? Parce que j'aimerais bien en fait avoir juste. Si je clique, je vais le recruter. Il me faut une librairie. Ouais, parfait. On va y arriver. Mastery of Death, c'est très bien. Il va aller là et il va nous apprendre. Un petit arcane secret. Et on va essayer de trouver les arcanes. On va pas faire monter le profil. On va rester profil bas et ça va être très bien. Alors il va être appelé. On va l'appeler. On va le rename en Morgane. Je suis Morgane de toi. Je vais pas tout mettre. Il apprend son secret, c'est cool.
Laylo, Laylo. Ok. Les ruines ont été explorées, c'est dommage. Là, on est à combien? On est à 0%. On va peut-être mettre un puits ici. Well of Shadow, pour que ça pourrisse ici. Attends, on a pas tout simplement un couvent qui est tout pourri. Je préférais mettre le couvent ici, bien sûr, mais là... Pff, bah voilà. On va pas se poser de questions. On va aller venir aider un peu les Deep One ici, ça va pas leur faire de mal. Modifieur, vous êtes à combien? Profil 4. Parfait. Empowering. Parfait. D'accord. Donc il y a ce roi-là qui rejoint l'alliance, si vous voulez. Il a quand même marqué les points pour avoir détruit des settlements. Je sais pas si ça reste ça. On va faire Human Apparence. Ça va être très bien. Parfait. Ok, parfait. Et bien là, on est bien. On va aller là et on va faire notre petit rituel de... Je suis le maître du monde! Dark Empire, 10 tours. Boum, c'est parti. Chobiti va finir d'infiltrer ça. On va le désacraliser. 10 tours. Et Chobiti. On n'a pas besoin d'un shadow, c'est l'avantage. Par contre, ici, là, ça... Hein ? On va commencer à bosser par là, ça veut dire ? Orc Upstart 6, 8, 2... Oh. On va tenter avec Chobiti de le buter. Là normalement ça va monter un peu plus vite et on va faire du Laylo profil bas. Est-ce que j'ai le droit? On peut recruter un gobelin si on le souhaite, bof. Attaque 7, proceed, boom. End. Chobiti a tué le Warlord. The other will fall in line in the value of strength. Ok, Paradis Head. Faut qu'on récupère ça, faut qu'on récupère la tête. Puissant en attaque, puissant en force. Faire ça. On va prendre tout l'or. Comme ça, en plus, on est riche. On va subjuguer. Nice. La forteresse. Ok, parfait. Donc, Chobiti va avoir maintenant son rôle à elle. On va gagner un peu de profit là, c'est pas grave. Alors. Organise the horde. Increase our kish industry in this plus 50, neighborhood location, with un boss with maximum 100. Et ça va forcer les humains à nous considérer comme une menace. D'accord, ok.
5 d'attaque, 3 de défense. Coûte que 2. Ok, coûte 2, d'accord. Le cost, c'est ça, à mon avis, c'est le... On va prendre des orques. On va recruter des orques. Warpath. D'accord, ok. On va essayer d'explorer un peu cet univers-là. Nemesis gained. Ok, d'accord. Donc ça, ils ont tous leur Nemesis. C'est parti. Et nous avons gagné. On a fait le Dark Empire, on les a mis suffisamment profond. En fait, on a... Toutes les cités sont passées en... Toutes les cités sont passées en... Comment ça s'appelle ? Toutes les cités qui étaient déjà une shadow de ce pays sont passées en mode... En mode Dark Empire, donc ils nous ont rapporté les points, on était déjà à la limite. Alors on va faire continue playing juste pour voir. Bring to the end, the same dans le red chaining. Ok, the end approach. Waouh, 105. Forme Dark Empire, ouais. On a passé 13 settlements, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Putain vache, ah ouais, si on arrive à retourner un pays entier, ça fait vraiment du bien. Ok, ben on est bon, on a réussi. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça nous a pris 360 tours. Je pense qu'on va pouvoir augmenter un peu les difficultés maintenant qu'on a à peu près le... ouais, tout ça c'est en dark. Qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnait. The Dark. The Dark Empire. On les a bien pourris. En plus, on commençait à prendre le contrôle de la Horde. Je pense que maintenant, on pourrait peut-être explorer d'autres mécaniques. Avec, donc, on a vu, hein, on a détruit quelques villes grâce aux épidémies. Et on pourrait peut-être essayer de lever une armée de morts-vivants, pourquoi pas, et essayer de détruire. Et on n'a même pas vu l'arrivée de la... comment ça s'appelle ? De la déesse. J'ai pas réussi à monter la... comment ça s'appelle ? La voyante, la prophète, au niveau supérieur, qu'avait Chobiti. Chobiti a pas tué son Némésis. Il y a quand même 2-3 autres trucs à explorer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à bientôt tout le monde. Et bye bye !